Aujourd'hui, on va avoir peur. C'est pas ça qui va nous aider. Aujourd'hui, on va découvrir des phobies, mais de ouf, des phobies qu'on penserait jamais que ça existerait, hein, parce que de nos jours, les phobies, il y en a beaucoup, et il y en a certaines qu'on ne connaît pas. Donc, on va découvrir ça ensemble. On va regarder ça. Il y a des phobies que j'aimerais pas trop avoir. Bon, c'est parti. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. La première phobie, ça s'appelle la pantophobie. La pantophobie, c'est la phobie d'avoir peur d'absolument tout. Quand je dis tout, c'est tout. T'as peur de ce tableau, t'as peur d'un téléphone, d'un jeu vidéo, d'un visage laid. T'as peur de tout le monde. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Deuxième phobie, la pédiophobie. La peur des poupées ou tout autre objet qui ont un rapport avec les humains. Des mannequins, des poupées vaudou ou des Barbie. Ah mon dieu. Je pense vraiment à quelqu'un qui aurait peur de ça. Ah, moi aussi j'aurais peur. Prochaine phobie. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. La catégléophobie. La peur du ridicule. Comme porter un costume de clown avec une jupe. Avec un ballon. Prochaine phobie. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. La statophobie. La statophobie est la peur de devoir rester debout. Comme par exemple dans les métros ou dans les autobus. Bon, si t'as la statophobie, tu sors pas de chez vous. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ok, je vous préviens, le prochain long. La hippopotomostrocéquipédaliophobie. Enfin, ils sont rentrés en haut, ces bandes d'enculés. Bref, prochain phobie, la hippopomachin, je sais pas quoi phobie. La phobie des longs mots, comme le mot anticonstitutionnellement. Prochaine phobie. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Alors, la prochaine phobie, c'est la tétraphobie. La tétraphobie, c'est la peur du chiffre 4. C'est tout, c'est juste ça, c'est la peur du chiffre 4. On ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas pourquoi. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. La prochaine phobie, c'est la phobophobie. C'est la peur d'avoir peur. Ça aussi, c'est étrange. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. La butyrophobie, devinez. La butyrophobie, c'est la peur du beurre. Oui, là, le beurre, ça, qu'on met sur les toasts. Oh, en passant, c'est aussi la peur de presque tous les produits laitiers. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Ok, le prochain fait vraiment rire, c'est la papétolétophobie. Oui, je l'ai eu. La papétolophobie, c'est la peur du papier toilette. Oui, le PQ, tu sais le truc pour t'essuyer les fesses. Quand t'as fait un numéro 2 ou un numéro 1. Bon, les gens comprennent, c'est du PQ, c'est la vie, mais... Imagine les gens qui doivent aller chier. Imaginez, les gens ils doivent aller chier et ils ont peur du papier toilette. C'est très étrange. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. La prochaine phobie est la musicophobie, la peur de la musique. Oui, comme la chanson... Oh non, pas cette chanson s'il vous plaît. Non, ou je pensais plutôt à cette chanson. Oh non, pas celle-là non plus. Je pensais plutôt à ça. Ça fait peur dans vos oreilles. Quand moi j'entends ça, mes oreilles elles saignent. Ouh, je déteste cette chanson. Bref, prochaine phobie. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. La prochaine phobie est la carpophobie, la peur des fruits.
Oui, des fruits, c'est... Putain, mais pourquoi? Pourquoi le monde en parle des fruits, putain? Putain! Non mais, la peur des fruits. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des phobies bizarres. Sans doute, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. À partager à vos amis pour découvrir si vous avez aussi peur de ça. Les fruits, le papier cul, le sorceur, on se retrouve dans la vidéo. Peace!